Yo les petits potes, c'est vrai que je trouve une nouvelle vidéo sur Clash Royale. Alors tout simplement aujourd'hui on va faire le défi simplement du de la mort subite, excusez-moi. Alors j'ai trouvé, enfin je vais essayer un deck, ok les gars, je vous mens pas, c'est la première fois que je le joue, c'est pour tenter un truc pour voir si ça marche en fait et pour me donner un petit défi parce que sinon c'est trop simple, j'ai fait deux victoires avec mon deck, c'est trop facile. On va tenter de jouer avec un deck full bâtiment les gars, full bâtiment, c'est Donc là on a l'Arc-X et le Mortier pour aller chercher la tour tout simplement. Sinon pour défendre, bah on a de la te... Enfin pour accompagner l'Arc-X et le Mortier on a la Tess, on a surtout la Tesla, la TDE et la tour à bombe. Ça pour défendre je me suis donné deux sorts parce que bah faut quand même bien défendre évidemment. Une petite fournaise pour mettre la... pour garder la pression. Donc c'est parti, on part sur cette première game les gars. Je sais même pas ce que ça a donné. Donc là on part sur du mortier Tesla directement, j'ai pas le temps de niveau. Ok, donc là on part sur un colis, voilà parfait, si je joue du colis ça fait plaisir. Ensuite, ok donc là on met ça, ah ouais alors ça, ok. On met des fournaises fond de map tranquillement, bah ouais, ok pour les jeunes mineurs. Mettre des flèches chasse, vite fait pour les gérer ces petits gobelins. On peut directement repartir en archi, en mortier, excusez-moi. Ok, là on va devoir mettre un joli flash. Ok, nickel, on vient plus tard. Hein. Ouais, nickel, voilà. Ok, donc là maintenant les spots qui ont égé ça. Maintenant on peut partir en Arc-X Tesla au pont. Les gars, à l'ancienne manière, voilà. Ok, il a bien joué. Nous on va juste mettre des flèches pour égé ça. Pas besoin de mettre plus, je vais juste mettre une tour à bombe ici tranquillement. Donc ça, ok, ça peut mettre quelque chose, on va mettre maintenant. Parfait. Ok, donc là ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre un Arc-X défensif. Et de toute façon, je vais le mortier encore pour aller chercher la tour. Donc là, on va directement remettre une fournaise. L'Arc-X qui fait un taf, en tout cas. Ok, donc là, on va mettre un mortier. Ok, donc il repart directement en méga chevalier. On va juste mettre une petite T2 pour aller gérer ça. Ouais, elle a très très bien joué. Hein. Ok, donc là on va juste mettre des flèches. L'Arc-X qui gère tranquillement ça. Donc là, nous on peut repartir directement en Arc-X tout simplement. On a le colis pour aller gérer ça. Tant mieux, c'est parti. Donc on est maintenant l'Arc-X. Ok, bon, la prochaine fois je mettrai une. Une tour à bombe de l'Arc-X. L'Arc-X va gratter, l'Arc-X qui va aller chercher des dégâts sur cette tour. Cette tour que s'il ne défend pas, elle va tomber. Ok, donc là, on va directement mettre une TDE. Là, je crois que je vais garder. Ouais, ok, ouais, je vais mettre ça là. Petite tour à bombe là pour alléger ça. Non. Vite les flèches. Ah. Ah merde, on a. Ok. Là, je vais juste mettre un Arc-X défensif avec une TS. On va directement aller chercher ses flèches. On va mettre un colis les gars. Et les gars, la première game c'est gagné. Tout simplement. Donc GG World Play. Donc on est en mort subite les gars. Ce deck marche super bien. Vous voyez, j'ai fait une victoire facile. J'en sais, donc les max ça fait 1000 pièces, c'est pas dégueu. C'est parti, on part sur sa deuxième game. Ok, donc là on peut directement mettre une fondation de map. Puisqu'on a environ 6 bâtiments. Ok, donc là on va partir en Arc-X. Arc-X Tesla, les gars, vous connaissez. Ok, donc là je pense, on va juste sommeiller des flèches pour aller gérer ça. En plus, je trouve que c'est magnifique. Ok, donc là on va aller chercher des dégâts. Pas mal même. Oh ouais, ils jouent un deck chelou là-dedans. Ils jouent un deck très chelou. Donc là, quand il n'y a plus. Il y en a encore, comme on dit. Dès qu'il n'y a plus, dans tous les cas, je peux rebalancer directement un Arc-X. Donc là, on va juste mettre une télé pour aller gérer ce Dark Prince. Même pas besoin, il y a les souffles. Les souffles sont trop forts, les gars. La fournaise qui est forte, en fait. Hein. Donc là, on va directement repartir en Arc-X. Donc il y a une artificière avec une princesse, ça n'a pas de sens, mais pourquoi pas. Donc l'Arc-X, il va les dépop ça. Ok. Alors malheureusement, il a un genre royal pour nous. Bah, c'est à pas de faire ça. Bon, c'est pas grave, les gars. Faut se dire qu'on a quand même un mortier. Voilà les gars, on a un mortier. Dès que ça meurt, on a directement la tour à bombe. On peut remettre une fournaise sur le map. Dès qu'il n'y a plus de mortier, je suis prêt à envoyer l'Arc-X. Ou peut-être pas l'envoyer, on va juste envoyer des flèches. Ça va, ok, donc là je pense.
Ok, parfait. On peut repartir en Arctix. Avec un fresh shot poly, c'est parti. Donc toi qu'il arrive, le Dark Prince sont normalement là. Voilà, parfait. On peut mettre une Tesla. Donc Logan s'envoie des poisons. Ok, donc lui sa technique c'est du cycle poison. Pourquoi pas. Pourquoi pas. Donc il n'y a plus de princesse. On peut directement repartir en tournant sur le map. Et les gars, on part sur une deuxième victoire. Sur cette deuxième game avec un deck qui n'a aucun sens. Voilà. On est en train d'éclater tout le monde avec un deck qui n'a aucun sens. Zéro, genre nada. Donc, tant mieux. Ça nous fait nos récompenses, c'est sympa. Donc on va aller chercher ce coffre de foudre. Donc nous on veut détruire de glace les gars, bientôt niveau max. Dénonce squelette. Moi j'étais allé garder parce que du coup je pourrais les échanger. Ouais je pense que c'est plus rentable que je les garde. Ouais non. On va tenter de les sous glace. Allez, allez s'il vous plaît le jeu. Putain, bon des archers ça, c'est pas dégueu. Ouais les gars, regardez d'ailleurs. J'ai atteint la limite de dons quotidienne. Bon. On va partir sur cette cinquième game tout simplement. Donc là on va directement partir en Arctix Tesla dès le départ. Et rien à battre. Ah bah apparemment le monsieur avait tout prévu. Ok donc là ça a du balancer. Oula. Ouais je vais en train de faire ma gueule. Ouais, ouais je détends toi gros. Sorcier trop fort. Hein. Je tiens à préciser, sorcier beaucoup trop fort. Vraiment, excusez-moi si le son du jeu est un peu fort. Je l'ai baissé un peu, normalement ça devrait aller. Ah non ça devrait être bon là. Ok donc là on va repartir en Arctix Tesla les gars. Le combo le plus cancer du jeu pour moi. Ok donc là on va mettre une tour à bombe pour aller gérer ce bûcheron. Alors là comment on va gratter? Parce que le gars est niveau max. On va prendre son profil. Mais je sens que ce gars il est pas très haut. Genre attends je sais pas quoi faire. Je vais mettre la mortier défensive ainsi qu'une fournaise sur le map tranquillement. La tour à bombe qui va gérer ses esprits de feu qui sont au niveau max hein. Je précise. Ah alors ça c'est pas cool frérot ça. Ouais son bûcheron je vous avoue les gars il me fait bien chien. Bah, j'attends qu'il se fasse nettoyer. Je vais juste mettre un colis au cas où il met un autre truc. Ok voilà. Il met des Tesla. Oh il m'énerve, il arrive trop à tempo. Vas-y bah, oh il m'a gavé. Les gars on part tout simplement en Arctix Tesla l'autre côté et ça connecte. Il a rien pour les gérer, il a rien. C'est dans la tête, tout c'est dans la tête les gars. Ok. Tant mieux. Oh les dégâts qu'on vient de mettre. Par contre faut faire gaffe en fait. Parce que là je rigole mais on a pris notre down à côté nous. Ah non vite, allez. Ah c'est bon. Alors, là je pense qu'on va jouer Arctix défensif avec un mortier. Mortier offensif là je pense. Ok, ah, alors ça. Ah, mais d'accord, ça. Non, okay. C'est parti. Mortier Tesla, les gars. Mortier Tesla. Les esprits de feu qui vont aller pas mal gratter. Ok, allez, le mortier un coup, nickel. Alors, ouais, alors par contre, ça c'est vraiment chiant, les gars, je vous avoue. Alors, il y a une foudre. Ça m'arrange pas. Ça m'arrange pas toute cette merde. Ok, là on peut partir en Arctix Mortier, les gars. J'en ai rien à battre, je le dis, j'en ai rien à battre. Arctix Mortier, les gars, peut-être. Ah, malheureusement, ce sera la première défaite. Ouais. Le gars, on va aller voir son profil, il avait tout de maxé. Je pense, à mon avis, bon, après, il jouait pas très très bien, je t'avoue. Ouais, c'est un deck qui n'a aucun sens. Ouais, alors. Comment vous expliquer que les gars, ça, c'est un deck sans mode condition. Donc, bon. Pas un profil très incroyable hein. Pour un niveau 13 full max en tout cas doré. Ça fait pas très longtemps, ça fait très longtemps qu'il est enfin c'est longtemps qu'il est niveau 13. Mais on part sur une autre game, c'est parti. On part en fournaise sur map, j'en ai rien. Ok donc là on part en mortier offensif, c'est parti avec une tour à bombe. Ah bah monsieur. Ah ok d'accord. Tiens. Ah ouais lui il a fait. Ah ouais t'es sûr. Ok pas de soucis, je rocket gros. Sauf qu'il ne sait pas le. C'est moi qui joue un deck full sort là. Attends. Alors. Ah, alors. Ça m'arrange pas tout ça là. Arctix Tesla les gars. Arctix Tesla. On a moyen de faire un truc. Arctix Tesla. Les gars, je vous rappelle, le combo le plus cancer du jeu. Arctix Tesla. Celui qui fait casser plein de tablettes et téléphones.
Ok, on part en Arkix mortier. Et là, dès que l'Arkix il meurt, on repart en Arkix. Bah monsieur a rage quitte. Ah. Yes. Ouais, alors ça c'était pas réellement prévu. Il joue les barbares d'élite les gars. Il les a améliorés. Il les a améliorés, il les joue en game. Les gars, on va aller voir ce profil, c'est insane. Ok, les gars, on part sur une autre game de gagner, tout simplement. On l'a éclaté. Evan Death Da Slayer. Ok. Evander Da Slayer. Ok. Ok, les gars. Là, vous allez rigoler un petit peu. Attention, moi je dis, il est pas au-dessus 5K3. Wesh. Gros, à 40 et niveau 13. Bon, en même temps, je viens de tirer cette carte, quoi. Le gars les a maxés. C'est un peu la pire carte du jeu, mais bon. Ouais, il a encore à 5K4, les gars. Il a encore à 5K4. Oh, la boule de feu, tant mieux. Il a encore à 5K4, les gars. Je crois que là, on vient de dépasser tout ce qui était possible. C'est trop drôle. Ok, les gars, on part sur Mortier Tesla. C'est parti, je n'ai rien là-bas. On part sur une fournaise aussi, fond de map. Ok, nickel. Le mortier qui connecte sur la tour. On peut mettre des flèches pour aller gérer les gobelins ainsi que bah tout en fait. Ok, donc on va pas les défendre dans le squelette qui vont se faire défoncer dans tous les cas parce que déjà avant c'était très peu de vie, mais alors maintenant qu'ils ont enlevé aussi Oh là là les gars du molosse. Ouais bah je crois que je peux aller jouer à Candy Crush les gars là. On est bien parti pour faire une session Candy Crush. Oh oui. Oh oui. Oh c'est magnifique, la part du joueur français. Ah, alors. Comment vous expliquer que ça, c'est compliqué ça? On va mettre un colis. Ok, le molosse qui meurt. Le molosse qui meurt, les gars. Oh. Et en vrai, on a moyen de faire quelque chose en fait. Parce que je dis, on va jouer à Candy Crush. Mais attends, 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 attends. Parce que là, on lui a mis masse dégâts. Il nous a fait aucun dégât. On a TDE, Tesla, colis, flèche. Ouais. Alors là, pour passer, mon pote. Good luck, quoi. Alors là, on va mettre une tour à bombe pour aller dépop cette Valkyrie. Oh les gars, on va faire une forteresse. On va faire une forteresse. J'en ai rien à battre. On va faire une forteresse. Ok, là on peut directement aller mettre des flèches. Oh, l'Arkix s'y connecte. L'Arkix s'y connecte, les gars. Ok. Là, on va directement partir en fournée sur map avec des un colis, les gars. Vite le colis. Le colix. Ok, ça a tout géré. C'est trop fort le colis. Ok, tant mieux. Tant mieux. Parfait, parfait. Il a plus de food. Il a plus de food, les gars. Et les gars. Oh non. Vite. Le mortier. Ok. Le mortier qui va connecter s'il joue rien. Le mortier qui va connecter. Je tente des flèches pré-shoot. Allez. Oh oui. Là qui s'y connecte les gars. Et si on va jouer, on va chercher cette quatrième ou cinquième victoire. Il lui manque plus qu'une game les gars. Avec un full bâtiment. Ah c'est incroyable. C'est incroyable. Ce jeu est incroyable les gars. Ah non, il nous manque deux games, ok. Bon, on a un petit jeton rare. Tant mieux. Ah ça y est, je peux refaire les dons. Ouais. Bon bah je vais très vite. Ouais bah regarde dans mon clan les gars, y'a tout le monde qui demandait dans mon squelette. C'est drôle ça non? Ouah ça me fait masse pièce hein, après, donc moi je dis pas non tu vois, dans mon squelette j'y joue pas, j'y jouerai jamais. C'est au moment où j'ai commencé à les améliorer, tout me les aura déjà max, donc enfin tous les bons joueurs en tout cas. Voilà nickel. Ok, on va aller faire ce petit échange. Alors qu'est-ce qu'on veut nous? Qu'est-ce qu'on veut? Qu'est-ce qu'on veut? Qu'est-ce qu'on veut? Qu'est-ce que je veux maxer? Attends, j'ai pas de truc niveau 11, bientôt vous max. Bon, on va aller chercher de la roquette, les gars. On va aller chercher de la roquette. Je sais même pas ce qu'ils veulent, donc bon. On met tout, hop, nickel. Maintenant, je vais mettre tout d'expam du jeu. Spam, qui vont faire ça, gagner le combat. C'est tellement ça. Ok les gars, on part sur cette game numéro, je sais pas combien parce que j'ai arrêté de compter. Arkix mortier les gars, j'en ai rien à battre. Je vous le dis, j'en ai rien à battre. Ah, si je joue de l'Arkix, ça peut être. Bah, en vrai, si je joue de l'Arkix. What? D'accord, bah ok, chacun son. Merde, ouais, ça c'était pas prévu ça. Non. Ah, crève. Ok, on peut en prendre à son app. Faut s'installer, les gars, faut s'installer. Ah. Alors. Comment vous expliquer que là c'est de la PLS là? Il vient de nous chier. Ah, yes. L'avantage d'avoir 43 bâtiments. Oui, allez, faites chasse. Ok, ça va. On a pas trop cher, on égalise les tours. Les gars, les petites merdes de feu là qui sont en train de pas mal gratter. Hein. On s'en rend pas compte, mais ça gratte cette merde. Hein. Ces petites boulettes suicidaires, ça picote le cul. Le colis, El Colix. Ah,
Ouais, alors là, j'ai un... Non, 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 vite. La Tesla! J'ai raté la Tesla, les gars! Oh. Si un coup, bah là, si un coup, on a... Ok, bon là... Ah, bah il peut noter un avec... Ah, bah ouais, bah écoute, quoi, je pense que je peux aller me faire des pathos! Non! Oh! Ah, les gars! Attends, 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 si je gagne, c'est un scandale. Si je gagne, c'est un scandale. Il y a 43 bâtiments sur le terrain, mais bon. Bon, je pense à mon avis, il me troll, mais Oh oui! Oh, ce colis qui était magnifique! Oh, ce colis! Ok, les gars. Oh, les gars! Oh, les gars! Oh, peut-être le miracle! Peut-être le miracle à 52 HP! Le joueur français! Allez! Oui, l'Arkix! Oh, oui! Oh, les gars! Oh, cette game était magnifique! Cette game était épique! Cette game à 18 HP! Les gars, j'ai rien d'autre à dire, les gars. Voilà, tout simplement. Là, j'ai. Ok les gars, dernière game pour aller chercher ce coffre géant qui va pas me servir à grand chose. Hein. Quoique si j'ai de l'esprit dedans, ça peut être pas dégueu. Ok, on va enfourner son map tout simplement. Donc là, on peut directement mettre des flèches là sur. Il a fumé quoi? Il a mis un sort de clone dans le vide ou c'est moi là? Il a raté son golem. Bon bah les gars, GG well played. Voilà. Alors, on m'appelle The Bâtiment Player, The Building Player. C'est n'importe quoi, ça a aucun sens. Non, mais rien, la gueule de. Non, mais rien, il est sur le gars. Là, on a la dernière. Dernière game, mais rien, c'est le gars, je tombe, genre. Bon, bah, tant mieux, hein, écoute. Moi, c'est bon, hein. Moi, ça me va si je tombe que sur des gars comme ça à chaque fois. Voilà, les gars, Arkix, Mortier, Tesla, TDE, Fournaise. Non, mais les gars, faudra m'expliquer ce qu'il fume, non, mais. Genre à un moment je vais bien être sympa mais là genre il y a des limites à ne pas dépasser quoi ouais. Je sais plus quoi mettre, j'ai trop de trucs sur le terrain les gars. Ah ça me fume ce jeu. Le gars il essaie de mettre toute sa daronne là pour pas prendre trop cher. Oh là là. Le gars il essaie de faire ce qu'il peut pour défendre, il peut rien faire. En même temps vu la gueule de son deck aussi, tu vas me dire. Bon bah les gars, on va aller chercher cette dernière win. À cette game les gars, je vous avoue, c'était la plus facile de toute ma vie. Ah non mais regardez le gars là, je peux poser les bâtiments. Ah bon bah là son profil, lui il est. Allez, combattant 2 là gros. Il a encore un combattant 3, genre pas plus. Voilà, mais t'as vu comment il jouait gros, je sais pas ce qu'il essaie de faire mais. Ah alors. Niveau coffre merdique, là on est pas mal là. Là on a vraiment un coffre bien éclaté. Hein. Alors, bah ça je vous ferai aussi une petite vidéo les gars, parce que maintenant c'est bon, j'ai trouvé un truc pour faire mes vidéos, c'est nice, voilà, tout simplement, maintenant je peux faire mes vidéos comme ça, vous m'entendrez comme ça, je pourrais faire des vidéos plus souvent, et puis voilà. Ok, bon. Les gars, voilà, je vous montre une dernière fois le deck, voilà. Je vous dis ça, je dis rien, voilà. Faudra m'expliquer la gueule un petit peu du deck, j'ai aussi gagné, donc on va aller voir son profil vite fait. Pardon là, pardon. Lui il monte à 5-4-3 là. Ouais bah je crois que je vais retourner à jouer au Candy Crush moi. Simplement les gars, n'hésitez pas à me dire des vidéos en commentaire que je pourrais faire. Je pourrais aussi tester, améliorer mon deck. Les gars, envoyez-les-moi sur Instagram qui est sur l'écran les gars. Et simplement abonnez-vous, partagez et ciao.